s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous savons que ce passage parle de Jésus. Et là, il y a Jésus. Jésus ici, nous. Oh, vos douleurs, vos vies, vos souffrances, vos vies, na, ma paix, ma vie. Donc, il y a un qui est important, la Bible, l'imboyer. Il y a Jésus ici, nous, ma paix, mon mémé. Puis, le bir, au bir, bé, diri, c'est pour rien. Il y a Jésus ici, ma yé, nous. Donc, diri, il y a qui est là, au bon Jésus. Fena, bé, bé, kanda. Nagina a mis un bouébé pour ma. Donc, vu que ça a été allé tirer dans le bébé, il y a des gens qui ont souffert. Amen.